Petite tâche de Lionel Le Néoannick. Petite tâche s'ennuie tout seul dans son coin. Sa maman lui dit : Petite tâche, pourquoi rester seule ainsi ? Trouve-toi donc des amis. Alors, petite tâche part à la recherche d'amis. Elle cherche ici. Elle cherche là. Elle cherche ailleurs. Elle cherche partout, partout, sans trouver un seul ami. Quand soudain, elle entend des cris. Ce sont des petites formes qui se disputent, car elles ne sont pas d'accord pour jouer au même jeu. Il y a petit carré, petit rond, petit triangle, petit rectangle et petit losange. Petite tâche s'approche timidement et dit « Bonjour les amis, je peux jouer avec vous ?» « Non mais tu t'es vu !» répond petit carré. « T'as pas de forme !» dit petit triangle. « T'es trop moche !» dit petit rond. « Trop nul !» dit petit rectangle. « Ouais, t'es pas comme nous !» dit petit losange. Et tous se mettent à crier « Va-t'en, sale tâche, va-t'en !» Petite tâche rentre chez elle en pleurs. Elle raconte tout à sa maman et à son papa. Et tout en pleurant, elle dit qu'elle aurait mieux fait de rester dans son coin, qu'elle est nulle et moche et qu'elle n'aura jamais d'amis. Pour la consoler, sa maman lui fait un gros câlin et son papa lui dit « Oublie ces bêtises, ma chérie, rien ne doit t'empêcher d'avoir des amis. Tu ne le sais pas encore, mais tu as en toi un trésor, un merveilleux trésor à découvrir et à partager. Écoute-moi, je vais t'expliquer. » Papa Tâche parle longtemps, longtemps, et dit « Voilà, petite Tâche, tu sais tout. Maintenant, à toi de jouer. Va montrer à ces galopins de quoi tu es capable. » Et petite Tâche retourne en tremblant auprès des petites formes. « Encore toi ?» crie petit carré en la voyant. « On t'a dit de t'en aller. Si tu cherches la bagarre, tu vas la trouver, » dit petit triangle, menaçant. « Attendez, j'ai quelque chose à vous montrer, » répond alors petite tâche. « Oh ! Petite tâche s'est transformée. Au secours, un monstre !» s'écrient les petites formes en s'enfuyant de tous côtés. « Revenez, n'ayez pas peur !»« Incroyable ! Petite tâche peut se transformer à volonté. Les petites formes sont très impressionnées. « On peut jouer avec toi ?» demande tout honteux petit carré. « Oui, s'il te plaît, dis-nous comment tu fais !» supplient ses petits copains. « D'accord !» Alors, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Et petite tâche apprend aux petites formes à se transformer. Waouh, trop bien ton jeu, petite tâche. Youpi! Coucou. Les petits amis s'amusent tellement qu'ils ne veulent plus se quitter.
Mais voici le soir. Il est temps de rentrer chez soi. Petite Tache embrasse un à un ses petits amis et dit « Bonne nuit les copains, demain on jouera à se mélanger. Alors, à demain, à demain. »C'était Petite Tache de Lionel le Néouanique.